Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Majak, on se retrouve pour un nouvel épisode de Death Gone, je crois que le numéro 9. Et j'ai décidé d'aller voir le lieu où soi-disant notre meuf est décédée. Je vous propose de commencer juste après l'intro. C'est parti. Ok, on y va. Donc apparemment c'est un camp, c'est le camp où elle devait arriver par hélicoptère lors du début, lors de l'intro, la séquence d'intro du début du jeu. Et on a appris donc qu'elle est apparemment jamais arrivée puisque l'hélicoptère a dû s'écraser. Et c'est une sorte de mémorial pour John. Il y va quand il est vraiment en crise de nerfs. Ce que lui reproche d'ailleurs Boozer. Et du coup, bah, on y est. Voilà. J'ai réussi à me faire un petit silencieux. Améliorer aussi mon équipement parce que j'avais 3 points de compétence. Voilà. Essayer d'y aller discrètement, hein. Pas la peine de se taper toute une bande de zombies assoiffés de sang. Et ça va manger ton pote. M'a vu ou pas? Envie de nettoyer avant. Pas grand chose dans les tentes. Il n'y a pas grand chose dans les tentes. Alors. On peut
pas rentrer dans le truc généraux là, ok. On est obligé de passer par là, alors. Ok. Limite. Hein. Très limite. Rien, il est vide ce camp. Je préfère avoir des petits points, ça peut aider. Quand est vraiment dépouillé. Hein. Ah, ça c'est utile. Voilà. Il y a des sens dehors. Si c'est là, c'est pas par hasard, on l'en met. Nettoyer les camps de mutants. Oui, ça. 9. On a vraiment fait le tour, ouais. Ok. Allez, R2, là, j'arrête pas depuis tout à l'heure. Je sais pas s'ils peuvent me voir quand je vise comme ça. J'étais pas parti pour ça, mais bon, apparemment, j'ai pas le choix. Obligé, je vais me faire serrer. Et tu le vois là ou pas, voilà. 4. Il y a quand même 9. 9. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va essayer de faire au mieux. Et puis je suis mal placé pour commencer, c'est super. J'ai pas l'impression qu'il me voit, et même quand je me lève pour... Ah, nettoyer le camp des mutants, d'accord, il y a 9 mutants au total, d'accord. Je préfère ça que 9 nids. Ah, j'avais pas bien lu. C'est fini, bon. 9, ça va, c'est jouable. Combien vous êtes, bande de fils de pute, hein?
On a assez doué pour éliminer 9. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais marquer l'ennemi. Parti un peu vite, vieux réflexe. Ça va que j'avais un silencieux. C'est-à-dire niflez vos potes là. Venez les bouffer un peu. Venez les bouffer vos potes. Allez, venez, c'est ça, viens. Renifle la bonne odeur de nourriture. Pourrie. Toi aussi, tu vas finir en milkshake. Encore combien? Encore 6. Ah, ça a l'air de fonctionner, donc allons-y, hein. Allons-y, continuons comme ça. C'est ça, viens bouffer tes potes toi aussi. Ils sentent de loin. J'ai envie que l'autre me voie là, ça me fera un peu chier. Je sais que pendant qu'il bouffe, il entend rien. S'occuper de celle-là avant. Il vaut mieux s'occuper de celle-là avant. Allez, est-ce qu'il renifle d'ici? Marc, si on peut les avoir comme ça, hein, si c'est le truc du jeu, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi ça m'arrange de rester planqué, hein. Surtout que je suis pas armé pour affronter de trop d'ennemis. Si je peux faire de l'XP comme ça, des primes, de l'XP, ce qui me permettrait de m'armer mieux, de me stuffer en meilleure condition, pourquoi pas, hein. C'est easy pour moi. Hein. Easy pour moi. 8, il m'en manque un, il y en a un qui est planqué quelque part que j'ai pas vu. Ouais, c'est ça, ils sentent. Ouais. On va jouer avec ça. Hein. J'ai l'air d'avoir une horde pas loin. J'entends du monde, putain. Putain que j'entends du monde. J'ai vu le 9e. Ça va, on marque d'assez loin, c'est bien. Voilà. Tant le bruit là, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas le moment de jouer les shows. On va s'occuper de notre petite affaire là. C'est bien ce que je pensais, il y a une horde juste en dessous de nos pieds. Je pense que ça c'est utile. Un autre enregistreur du numéro. Alerte! Alerte! Ici le camp de réfugiés 13 Delta! À l'ouest de notre ligne d'attaque! Nous sommes envahis! Dites-leur! Je fais ce que je peux! Il faut qu'ils viennent nous chercher! Ferme! Ferme! J'essaie
répète, ici le camp de réfugiés 13 Delta. Nous sommes envahis. Vous me recevez? Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fous ici? Donne-moi la radio. Je regrette de ne pas avoir été là. Par gratitude, d'icône. Je pense pas que t'aurais pu faire grand chose. Bon. Quand tu regardes, tu es full de tout et pourtant. Ouais, ouais, putain, je pars, je suis même pas chargé à bloc. Mais toi, je peux pas prendre les chiffons et tout ça. Déposer le sédum sur le mémorial de Sarah. Très bien. On va vérifier. C'était le dernier. Salut, chérie. Ouais, j'ai fait le ménage. Et ils viendront plus t'embêter maintenant. Salut, c'est encore moi. Ah, son petit mémorial. J'ai pensé que c'était important de vous montrer ça pour l'histoire. Un truc. Hé, hey, c'est rien, c'est juste moi. Tu m'as dit qu'on ne devrait pas revenir, et je t'ai pas écouté. Enfin, je savais que ce serait le bazar, mais... On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrille, comme ça. Attends, aussi vite. Tu comprends pas. Je sais pas ce que je ferais si je te perdais. Tout ça, c'est ma faute. Hé, hey, personne va perdre personne. Je t'ai fait une promesse, tu te souviens? Ouais. Deacon, attends. Ça viens. Il y a une gosse, là. Attends. Hé hey. Eh, hey, ça va? Allez, viens, on va retrouver tes parents, d'accord? C'est vraiment génial! Allez! C'est pas vrai. C'est grave. Je sais pas, non, je pense pas. Bon, alors, appuie ici aussi fort que tu peux. Tu peux courir? Je crois pas, non, mais je pourrais marcher. Ça fera l'affaire. On est vrais. Ah, d'accord. Tu vois, c'est chacun pour soi des fois. Hein. Ils ont dû évacuer. Ouais, ils ont dû mettre les voiles. D'accord. Elle est bon, on voit mieux la scène. Elle a touché le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Okay. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Ouais. Encore une fois. Donne-moi le filet avant qu'ils aillent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signer ces hélicos. Ouais, je m'en occupe. Ok. Là, essaie de te reposer là-bas. Là. Doucement, doucement. Elle me rappelait beaucoup, ma petite sœur, tu comprends? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble. Souvent, elle rentrait sa tête dans son manteau pour se cacher comme ça. Mm-hmm. Je me suis déjà fait planter, mais là, c'est grave. Elle est brûlante. Putain, regarde-moi ça. Faut qu'on bouge. Là, ça passe pas. Ok. D'accord. Hé, hey, tu peux marcher ma puce? Oui. Trois heures. Ouais, je viens. Trouve-nous une sortie. Okay.
me focus derrière lui, ok? C'est rien, allez, fonce! Je gère, fonce! Allez, je vais vous faire foutre! Monsieur! Hey! J'ai pas d'armes! J'ai pas d'armes! Sortez! Écoutez-moi, écoutez-moi! Ma femme s'est pris un coup de couteau. On veut juste accéder au toit. Sortez! Un hélico. Vous l'avez tué! Écoutez, vous avez tué ma femme! Oh non, 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 écoutez, je sais rien au sujet d'humeur de votre femme et je suis vraiment désolé, mais on n'a rien fait du tout! Non, on a rien fait du tout! Non, vous avez tué ma femme! Vous avez tué ma femme! Merde! Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Vous l'avez tué! Et bim! L'histoire est cool quand même. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a. Elle a pas le truc qui touche les autres. Bon, c'est encore un gros remember, ça on l'avait vu au début du truc. Ça nous permet de comprendre un petit peu mieux aussi. Hein. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas sur cette là. Ryan. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux. Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je sais pas si j'étais obligé de remettre vraiment tout le reste. Une petite partie qu'on n'a pas vue, mais c'est tout. Pas obligé de remettre l'intro du début non plus, quoi. On y va, faut qu'on embarque. Faut qu'on monte dans le grand les gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais m'en tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Et s'appelle revient. Vous venez? Non. Dick! Ah, putain. Mais qu'est-ce que t'as fait? Allez, on connaît, on connaît. Sur ce les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis, bah, si vous avez aimé déjà, lâchez un like, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un commentaire. Également, tout ça c'est gratuit, ça fera beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous, amusez-vous bien, ciao ciao, bye bye. Sois tranquille, d'accord? Je reviendrai te voir et je sais, tu préférerais que je vienne plus, mais faut croire que Boozer a raison, je peux pas m'en empêcher. Comme je t'ai dit, je reviendrai.